Les Gurias et vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage de la semaine du 17 au 23. Je regarde sur mon téléphone, je triche. Du 17 au 23 juillet 2023. On y va. J'ai hésité là, mais j'ai hésité. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Nous allons faire le oui-non avec l'Iris le Normand. On va faire les... J'ai envie de faire les 13 cartes. Alors j'hésite, mais on va faire les générales avec le Sceau et le Mathias. Tierce personne pour l'amour. Voilà, et là il y en a qui rêvent de quelqu'un alors que vous n'êtes pas seul. Attention! Voilà, donc le Mathias et l'Iris, le Normand de notre amie Irène Rostaro, évidemment. Allez, on va essayer de mettre 13 cartes. On va essayer, si je compte correctement. Et on y va donc pour cette semaine, les amis. Pourvu qu'elle se passe magnifiquement bien. J'espère que vous avez passé un bon week-end et que tout va bien pour vous. Sérénité, amour. Bon, allez, on va y aller. On coupe. La patient et une madame. Pas la consultante ici, hein, c'est quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, peut-être qu'une dame va vous aider à créer quelque chose. On crée quelque chose. J'ai ce sentiment ici que cette semaine, vous allez créer, vous allez envisager, vous allez avancer, vous allez évoluer dans quelque chose qui vous passionne. Vous allez prendre des décisions, vous allez prendre des... Vous allez peut-être acter des choses, vous allez aller vers de l'administratif pour pouvoir mettre en place des choses qui vous passionnent. Des choses, ça peut être un travail, ça peut être un hobby, ça peut être... l'achat de quelque chose parce que voilà, ça peut être n'importe quoi, mais les choses pourraient essayer, les choses pourraient bouger grâce peut-être ou avec une dame. Moi, cette carte, la carte de la dame, pour moi, en tout cas, elle me perturbe, mais moi, attention, c'est moi. Je sais pas pourquoi je lui fais un balai en main, en fait, je sais pas pourquoi. Bon, je pensais à une sorcière, mais franchement, là, je vois toujours une femme d'ouvrage. Et ça m'ennuie. Je vais lui typexer le balai. Mais c'est pas du tout comme ça qu'il faut voir. Hein, parce que, je sais pas, moi, j'ai cette image, mais c'est complètement ridicule. Pourquoi est-ce que je lui ai mis un balai en main? Je ne sais pas. Je me le demande chaque fois que je la vois. Bon. C'est que ça voulait dire quelque chose dans mon cerveau à ce moment-là. Mais quoi? Il y a des décisions qui vont être prises, les amis, et que vous allez communiquer, ou bien grâce à des choses que vous allez entendre, qu'on va vous dire, vous allez pouvoir prendre des décisions. Allez, on y va. Treize cartes. 1, 2, 3, 4, attendez parce que 5, 6, 7, 8, 9, 10. De deck des documents, donc on est ici dans les documents, dans les enfin, ces deux cartes là en fait ce sont des cartes qui ne sont pas des cartes de jeu, ce sont des cartes de porte-bonheur. Voilà, tout va bien avec le 10 d'épée effectivement, et cette carte
qui est tout simplement le bonheur total. Voilà. Et tout, on a les documents, je vais la mettre au milieu, comme ça on a les documents qui seront positifs. Bon. Allez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ok. Voilà. J'essaie de faire un espèce d'ovale. Allez, on y va, on commence avec celle-ci. Les énergies de cette semaine. Oh, on commence dans l'abondance. L'abondance totale et générale. Donc ça va être une semaine chargée en positif. Positif, positif, positif dans tous les domaines. Il y a la guérison, la rémission, la carte de la rémission. Donc ici, il y a une guérison, il y a des choses qui se remettent en place. Donc si que ça pourrait être aussi une maladie, on ne peut pas parler de maladie, évidemment, mais il est possible qu'il s'agisse d'une maladie, donc on guérit. Alors on guérit psychologiquement, on guérit physiquement, on guérit, mais il y a quelque chose qui va aller beaucoup, beaucoup mieux. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que l'abondance est sortie aussi pour vous, parce que peut-être que vous êtes peut-être dans le manque, justement, le manque de peu importe de quoi. Et là, on vous dit, les choses changent. Les choses changent cette semaine. Un cadeau de la vie. Voilà, un cadeau de la vie. Vous allez peut-être recevoir effectivement un cadeau. Mais ici, ce sont des choses, je pense que la rémission ici en elle-même, pour ceux qui vont être impacté par ça, c'est tout simplement, ça pourrait parler vraiment de guérison de santé, mais ça peut être aussi une guérison, une réconciliation, pourquoi pas, et donc un cadeau. Alors le cadeau, ça peut être aussi un bonheur matériel, quelque chose qui vaut de l'argent, ou pas. C'est un cadeau, c'est quelque chose qui vous ferait vraiment plaisir. Le plaisir, c'est tout simplement de guérir ou de voir des personnes qui se réconcilient ou de se réconcilier avec quelqu'un ou de revoir une personne. Voilà, c'est plein de choses. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui redevient normal. On vous demande de réfléchir. On vous demande quand même de réfléchir, de ne pas aller quand même trop vite. C'est pas parce que tout est en train de changer positivement que vous devez vous en aller... que vous devez vous en aller sans réfléchir. Non, vous devez quand même toujours faire une petite pause, réfléchir, méditer peut-être aussi sur justement cette rémission et ce bonheur-là qui est en train de revenir ou de venir. Donc méditez, réfléchissez, n'allez pas trop vite. Ne prenez pas tout comme acquis non plus, parce que dans la vie, rien n'est jamais acquis, rien ni personne, n'oubliez pas. Donc peut-être... Ne soyez pas trop non plus dans « voilà, maintenant ça va aller ». Oui, oui, si, il faut être comme ça. Mais il faut quand même se dire que rien n'est jamais acquis. Donc parfois, tout peut aller très très bien pendant tout temps, mais il faut parfois faire certaines choses comme rallumer la petite flamme, chacun son tour, par exemple, dans un couple, par exemple. Ici, on nous parle de lenteur, donc il y a quelque chose qui va être un peu plus lent. J'ai avec cette carte, moi j'ai aussi la protection. Moi ici, la protection, vous voyez l'escargot, il rentre dans sa coquille, l'hérisson, il se roule en boule, le ver de terre, là, il peut, ou le serpent comme vous voulez, mais c'est un ver de terre, il peut très bien aussi rentrer dans la terre. Donc ici, c'est lent, mais c'est mieux comme ça parce que vous êtes protégé. Il y a une protection ici. Où il aura fallu le temps pour pouvoir obtenir une certaine protection. Oui. N'allez pas trop vite, peut-être justement, n'allez pas trop vite pour ne pas... Réfléchissez, n'allez pas trop vite, peut-être. Parce que les choses vont bien, mais bon, il faut toujours réfléchir de toute façon. C'est l'amour qui est en train d'arriver, les amis. Pour certains, il est déjà là, bien évidemment.
Mais pour d'autres, voilà, enfin, enfin, l'amour est en train d'arriver. L'amour est en train d'arriver. L'amour, avec l'amour, on a la sérénité, on a le bonheur, on a la joie, on a le calme. J'ai toujours peur de retourner les autres cartes, mais jusqu'à présent, c'est juste magnifique. Hein. Donc, on a la sérénité, on a la paix qui revient, la paix retrouvée, le pardon, je ne sais pas pourquoi j'entends le pardon, on a pardonné. On va avoir des explications. Là, on vous demande quand même d'être vigilant. Ça, à mon avis, ici, avec toutes les cartes que j'ai comme ça, vous êtes peut-être une personne qui est, pour certains, vous êtes angoissée d'origine, rien à faire, vous êtes angoissée ou angoissée. Donc, on vous demande ici, cool, Raoul, franchement, attendez, j'ai quand même tourné l'autre carte. Enfermement. Bon, attendez. N'allez pas trop vite, soyez lent, oui. La lenteur, n'allez pas trop vite. Tout va bien, mais vous devez quand même rester vigilant. Comme j'ai dit, rien n'est jamais acquis, donc soyez vigilant. Je retourne une autre. Le voyage. Non, c'est bon. Je vais les retourner, j'en ai besoin. Les remèdes. La lune. Et l'imprévu. Il fallait que je regarde si je n'avais pas certaines cartes. Hein. Donc voilà. Donc ici, non, c'est très bon. Donc, on vous demande donc de faire attention à vous, autour de vous, aux autres éventuellement. Donc n'ayez pas des œillères. Ça veut dire que n'avancez pas avec des œillères parce que vous avez gagné, parce que vous avez gagné à l'euro-million, vous êtes multimillionnaire, milliardaire. Et donc, vous pouvez maintenant aller où vous voulez. Mais non, même pas. Faites quand même attention, soyez quand même vigilant. Parce que sinon... Alors, c'est marrant parce que tout à l'heure, je pensais qu'on avait cette protection-là. On pouvait rentrer dans sa coquille, on pouvait se mettre en boule, rentrer dans la terre. Et là, j'ai la notion d'enfermement. Mais la notion d'enfermement ici, après la vigilance et le voyage... Ah, ok. Donc, voilà. Ici, pour moi, ça parlera. Pour les personnes qui vont certainement faire un déplacement, un voyage, un déplacement professionnel, un petit déplacement, même à pied, on vous demande quand même d'être vigilant. Mais moi, j'ai envie... Je vois quand même un hôpital. Donc, il y aura peut-être une blessure. Peut-être que vous... Tout va bien, tout va très bien, mais peut-être qu'il va quand même y avoir une blessure. Pour moi, ce ne sera pas du tout grave, mais il y aura une blessure d'une manière ou d'une autre, de se fouler la cheville, tout simplement. Donc, on va devoir aller quelque part ou lors d'un voyage, on ne va pas pouvoir faire tout ce qu'on avait prévu de faire parce que vous êtes... j'aime pas dire des choses ainsi, mais vous vous êtes cassé le pied et donc vous devez parfois rester un peu plus renfermé pendant ce voyage. Mais le tout, en fait, on a des solutions, on trouve des solutions. Donc il pourrait s'agir effectivement de santé physique, mais j'ai aussi la santé mentale. Avec la rémission, la lune, les remèdes, la lune... j'ai quand même ici la santé mentale qui ressort. Oui. Bon, ici ça va me parler, alors je suis sûre que ça va parler à certains, pas à tout le monde bien évidemment, mais j'ai ici le côté attention, tu vas te sentir bien ou on va se sentir très bien,
Donc, tu ne vas plus prendre tes médicaments alors que tu es bipolaire. Je n'ai absolument rien contre les bipolaires. Sachez-le, ma meilleure amie est décédée malheureusement. Elle était bipolaire et avec les médicaments, tout allait parfaitement. Donc, je n'ai rien contre personne. Je ne fais, il n'y a pas de préjugés. Mais je dis, voilà, si vous avez besoin de prendre des médicaments, que ce soit, je dis, pourquoi est-ce que je parle de la santé mentale? Parce que j'ai la lune, évidemment. Mais sinon, peu importe. Prenez vos médicaments. C'est pas parce que vous venez de gagner à l'euro-million que vous pouvez arrêter de prendre vos médicaments parce que votre bipolarité va s'arrêter. Ben non, malheureusement. Donc ici, continuez à bien prendre vos médicaments ou surveillez. Peut-être ça, il pourrait s'agir aussi d'un enfant, peut-être une personne qui est sous votre responsabilité, une personne qui pourrait être sous votre responsabilité, par exemple pendant les vacances. Ben voilà, j'ai cette histoire du petit Émile là qui a disparu qui me vient en tête. Voilà. Des messages que je reçois, mais je préfère pas. Je préfère pas. Bon, de toute façon, c'est pas le but. Donc, ici. Nous avons là, soyez prudents, parce que oui, il y a rémission, oui, il y a des remèdes, mais il faut les prendre, parce que si on ne les prend pas, on va, ben, ça va pas aller, quoi. Ça va pas aller. Vous savez ce qui se passe en général, les gens qui connaissent, qu'est-ce qui se passe quand on fait une crise? Ben, on fait un petit séjour et on n'a pas envie d'y aller. Ni pour vous, ni pour la personne malade. Donc, c'est une maladie, par exemple. Donc, voilà, on n'y peut rien, personne n'y peut rien. Mais ici, il suffit juste de contrôler que les médicaments soient bien pris, aient bien été pris, en fait. Il faut contrôler que les médicaments soient bien pris, continuent à être pris, ou peu importe que ce soit un médicament, mais ça peut être aussi une rééducation physique. Peut-être qu'il y a eu un accident il y a un moment, et du coup maintenant les choses elles s'arrangent bien, tout va bien, il y a des choses qui bougent, on rencontre des gens, on rencontre l'amour, et du coup voilà, on dit bah, mes exercices je les fais plus, j'ai plus chez le kiné, j'ai plus besoin, je vais le faire tout seul, toute seule. Mais non, ce ne sera pas une bonne idée. Voilà, ce ne sera pas une bonne idée parce que ça va être pire. Même si c'est physique, hein, donc voilà, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Waouh, mon kiné, il est en vacances, c'est un remplaçant, je vais en profiter pour ne pas y aller, ça me fera des vacances aussi. Eh ben non, là, je parle pour moi, là, je dis voilà, ben non, il faut y aller quand même. Bon, parfois, c'est chiant, mais bon, il faut quand même y aller. Donc ici, ne relâchez pas la pression, ne relâchez pas votre vigilance, ne la relâchez pas, parce que sinon, ça n'ira pas. Tout simplement. Voilà. Alors, bon, ça c'est dit. Ok. De toute façon, il y a des choses qui arrivent qui ne sont pas prévues du tout. J'ai la jeune fille. J'ai la boule de cristal. Ah, ben ici, il y a encore ici, j'ai le côté occulte. J'ai la carte de la voyante. J'ai une jeune fille qui pourrait avoir des dons, des capacités ici. Ouais, il y a quelque chose à prévu, oui, c'est peut-être ici une forme de. Vous allez découvrir quelque chose par rapport à une jeune fille. Ce n'est pas en soi. En soi, ça ne doit pas être négatif. Ça pourrait faire peur à certains ou certaines, mais ce n'est pas négatif du tout. Et alors, quand je dis ce n'est pas négatif, la phrase en elle-même, elle est négative. Parce que l'univers, il n'entend pas, ce n'est pas négatif. L'univers, il entend, c'est négatif. Donc, je refais ma phrase. C'est positif. D'accord? C'est positif. Donc, quoi qu'il arrive, il y a quelques. Et ici, On trouve un équilibre.
Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai cette santé mentale-là qui me vient à tout le temps. Je ne sais pas si c'est par rapport au jeu ou par rapport à des choses qui se passent dans le monde, on va dire, le monde extérieur. Mais évidemment, voilà. Mais ici, il y a une justice qui se fait par rapport à un imprévu. Mais ici, je parle d'occulte. Donc peut-être que cette jeune fille ou ce jeune homme ou cette fille ou cette personne, il va lui arriver quelque chose d'imprévu, mais qu'elle avait prévu. Comment expliquer ça? Comment expliquer ça? Ben, par exemple, la jeune fille a toujours su qu'un jour sa maison allait prendre feu. Quand elle n'a jamais su, et elle n'a jamais su si c'était vrai, et puis la maison prend feu. Je vous le dis parce que ça a été mon cas. Ça a été mon cas. Je savais que la maison allait brûler, mais je ne savais pas quand, ni quoi, ni si ça allait le faire. C'est très très longtemps, j'étais très jeune. Voilà. Et du coup, boum, la maison, un jour, elle brûle. Je ris parce que il n'y a personne, y a personne dedans. Et puis c'était une histoire de famille un peu compliquée. Mais voilà. Ça ne me fait pas marrer, mais la maison était vide. Enfin. Voilà. Mais. Ça veut dire que vous pourriez avoir des choses que vous avez pensé qui allaient peut-être arriver, qui vont arriver. Et là, vous allez vous dire, mais attends, mais j'ai 13 ans, j'ai 12 ans, je pense depuis 2-3 ans qu'il va se passer ceci ou cela, de telle et telle façon, boum, ça arrive. Et il faut bien vous dire que là, si vous avez des dons comme ça qui vont s'éveiller, la lune ici, hein, vous allez, en tout cas, je vous conseille rien du tout, parce que je ne peux pas vous conseiller concernant ne sont pas les payeurs, mais en tout cas je vous invite à explorer vraiment ces capacités-là que vous allez avoir, parce que vous allez pouvoir vraiment faire beaucoup de choses avec. Vous allez pouvoir faire beaucoup de choses avec. On a aussi un déplacement imprévu. On a un cadeau de réconciliation. On a un amour, on va se rendre compte cette semaine que l'amour est vraiment waouh, quoi. C'est magique. C'est un amour simple, mais en même temps tellement puissant. Peut-être que vous allez vous rendre compte finalement que vous vous aimez tellement, alors que tous les jours vous vous aimez comme ça, mais. Vous allez avoir une certaine conscience de quelque chose. Voyage imprévu, j'ai dit. La guérison. La guérison. La guérison, alors oui, une guérison de santé, mais c'est peut-être aussi une guérison bancaire, dans le sens où peut-être que vous allez avoir plus d'argent que prévu. Je sais pas comment, hein. Ah ben si, vous allez gagner à l'euro million, c'est vrai. Je vous le souhaite et je vous le souhaite réellement. Ben voilà, écoutez, voilà, de toute façon, il n'y a que des solutions. Il n'y a que des solutions. On vous demande d'être vigilant, on vous demande de ne pas relâcher les médicaments si vous devez en prendre. Ne les relâchez pas, ne négligez pas, ne faites pas l'autruche si vous voyez des choses, si vous sentez des choses, si vous comprenez des choses, si vous avez l'impression de recevoir des messages, à la limite, notez-les, oubliez-les si vous ne voulez pas, mais notez-les. Par exemple, vous entendez dans votre tête un nom de famille que vous ne connaissez pas, prenez un livre et un cahier exprès, vous notez le nom, c'est tout, et la date peut-être, voilà, aujourd'hui, ce nom-là, vous avez entendu ce nom-là aujourd'hui, et puis ça ne servira peut-être jamais à rien, et puis un jour, peut-être que vous allez aller. Dans 2, 3, 10 ans, il va y avoir un truc et ce nom-là va ressortir et vous allez pouvoir aller voir. Je me souviens que ça me dit quelque chose, ce nom-là, et vous allez aller voir dans votre bouquin, vous allez dans votre livre, et vous allez dans votre cahier, et vous allez voir, mais oui, je l'ai écrit là, donc c'est que déjà j'avais des ressentis par rapport à ça ou par rapport à cette personne, ou ce sera cette personne puisque j'ai eu son nom. Enfin, il y a tellement de choses. J'ai tellement envie de parler de ça, en fait, de vous expliquer que ce que vous pourriez faire pour justement.
Il faut essayer de prendre des notes aussi, parfois. Il faut essayer de prendre des notes. Si vous êtes dans un manque, vous ne voyez plus votre enfant parce qu'on le monte contre vous, par exemple, ce que je conseille parfois, je conseillerais, parce que les conseillers ne sont pas les payeurs, je le dis toujours, mais en fait, ça ne serait pas être mauvais, c'est d'écrire, en fait, un journal intime pour l'enfant. Parce que parfois, j'ai des parents qui essayent, un parent qui essaye désespérément de récupérer un enfant, peu importe la situation, et il se dit, mais il ne saura jamais que j'ai voulu le récupérer, on est en train de le monter contre moi, on lui dit que je ne le veux pas, on lui dit que je ne l'aime pas, j'envoie des lettres et jamais il ne les reçoit. Et bien, vous écrivez et vous dites, et un jour cet enfant, ben, tôt ou tard, pourra lire ce cahier et il pourra voir que peut-être tout ce qu'on lui a dit contre vous, ben, c'était faux. Et il s'est fait peut-être une mauvaise image de vous. Et au moins un jour, il le saura. Peut-être beaucoup plus tôt que prévu aussi. Hein, c'est pas, voilà. Alors ça peut être par rapport à ça, ça peut être par rapport à n'importe quoi. Mais c'est, parfois, c'est bien aussi d'écrire certaines choses pour montrer que finalement, mais si vous l'aimiez ou si vous avez essayé, mais vous n'avez pas su, on ne vous a pas laissé faire. Parfois, voilà. Et quand c'est écrit, on a la preuve que c'était vrai. Vous voyez ? Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Hein. C'est que ça doit parler au moins à une personne, hein, si je dis ça. Voilà. Voilà, en tout cas, pour la semaine. Donc, pour moi, c'est tout bon. C'est tout bon. Juste, ne relâchez pas la vigilance. Soyez vigilants. Mais sinon, c'est tout bon. OK ? Alors, je vais faire avec le MATS les énergies de la semaine que je vais placer sur les cartes des énergies. Réconciliation. Oh, mais tu peux faire ça. Ok. Si vous entendez un ronflement, c'est Oscar. Qui ronfle comme un bienheureux. Donc ceci, c'est le MATS de notre ami Iray. Je crois qu'elles y sont toutes. Le de deck. Le retour ici. Il y a quelque chose qui revient et peut-être que c'est l'argent du coup. Regardez, on a le retour, on a l'argent. On a l'élévation, on a le bonheur. Que du bonheur. Le pardon par rapport à quelqu'un qui nous a trahis. Et on écoute un sage. On a du plaisir. Un enfant qui s'en va, oui, parce qu'il se marie. Un enfant qui s'en va parce qu'il se marie. Il fait des choix que vous allez faire qui vont vous porter succès et sérénité et abondance, les amis. On a un travail psychologique où on travaille la lune, le travail de la lune, donc on doit faire un travail sur soi, on travaille, on doit peut-être aller faire une visite médicale, psychologique, psychiatrique, où vous êtes vous-même dans l'occulte, etc., ou dans la médecine psychologique, machin. On parle argent. Il y a quelqu'un qui n'est pas très bien ici. Une personne qui n'est pas très bien, qui se sent isolée. Oui, une personne qui se sent pas très bien, qui est isolée. Parce qu'ici, je vois une tierce personne, il y a des conflits.
Mais il y a la paix. Il y avait, oui, il y avait la paix, et maintenant il y a quelqu'un qui vient un petit peu foutre le bordel, là. Un message d'amour. La femme, cercueil, déception, justice, amour. Ok, il y a les choses qui se règlent par la justice. Donc ce qui vous a déçu vous rend plus fort. La justice va vous rendre. Va vous rendre justice. Homme, confusion. Ah, il y a des choix. Attends. Il y a des choses qui vont se savoir, les amis, lors d'une fête, peut-être. On va apprendre quelque chose qui va faire l'effet, faire un effet de fou. Alors, positif ou négatif, mais en tout cas, ça va créer une confusion entre un homme et une femme. Il y a un homme, une femme, la confusion. Des choix qui vont être faits. Donc il y a la lumière, la tornade, les festivités et le choix. Homme, confusion, femme. Donc il y a quelque chose qui va se savoir. Il y a des choix qui devront être faits. Mais en même temps, j'ai la tornade et j'ai les festivités. Donc j'ai la joie et j'ai un petit peu des appréhensions ou des conflits. Ou... Il y a un choix qui va être fait, qui ne sera peut-être pas facile. Et qui va rendre confus le couple. Bon, voilà. À vous de voir. Bon, c'est pas l'important, ça va être le tirage plutôt. Ici, on va tout être important. Donc, il y a retour de quelqu'un. Allez, j'y vais avec, comme je suis partie tout à l'heure. On a donc l'amour. Je me mets dans les énergies d'amour. Regardez, on a une stabilité amoureuse ici. On a une stabilité amoureuse. Vous devez écouter ce que l'on vous dit. Vous devez analyser. Vous devez peut-être parler à quelqu'un de quelque chose pour pouvoir rester stable. Mais moi, pour moi, la stabilité, pour moi en tout cas, elle est acquise en amour. Oui, on a la roue, on a la chance, il y a des choses qui passent. Il y a des choses qui passent, mais c'est un nouveau cycle. Il y a un nouveau cycle. Donc, la stabilité, vous savez quoi, je vais les retourner parce que sinon je vais me tromper. Voilà, donc, stabilité, suivez le guide, on a la chance, donc vous allez avoir de la chance, peut-être parce qu'on va bien vous diriger, ou parce que vous allez prendre de bonnes décisions, en tout cas, il y a la chance tourne, d'accord, la chance tourne, vous allez apprendre, connaître, faire connaître, il y a le savoir et le faire savoir, surtout aussi, donc, peut-être que ça, savoir et le faire savoir, c'est important. Il y a un nouveau cycle d'amour ici. C'est quelque chose de très puissant. Un amour puissant ici, les amis. Et on a la carte de la famille. Sur la carte de l'amour, regardez. Sur la carte de l'amour, on a la carte de la famille. Donc, on construit une famille. La force, c'est à mon avis... la force va nous donner la puissance et la volonté de construire ou de reconstruire une famille. Peut-être le retour de quelqu'un, hein. Du coup la personne revient. Alors, c'est pas spécialement parce qu'elle est partie pour quelqu'un d'autre, c'est peut-être c'est une personne qui revient parce qu'elle a été travaillée par obligation dans un autre pays, et du coup maintenant elle revient parce qu'elle a fini, enfin voilà, ça peut être ça aussi. Donc la famille se reconstitue, elle n'a jamais vraiment été... Mais voilà, et du coup, maintenant, les choses se stabilisent pour le mieux.
Attendez. Ah, on a la carte du diable sur la carte de la sérénité. Donc, attention, attention. Alors, attention. Alors, oui, il est possible que s'il y a eu une petite séparation, peu importe pourquoi, il y ait quelque chose qui est changé. Il va y avoir peut-être quelque chose qui aura changé et la personne qui revient, ça peut être le mari, la femme, un enfant, un parent, et la personne aura changé. Et ça pourrait paraître négatif. Ça pourrait être une addiction. Non, ça va. On a le trèfle. Donc ici, c'est quelque chose qui va peut-être faire un peu peur, mais ça va, après, ça va aller. Ça va se régler. Alors, on a ici une réconciliation. Donc si vous êtes en conflit, il y a une réconciliation. On se tait. Il y a quelqu'un qui ne doit pas dire des choses. Vous ne devez... Ou peut-être que pour vous allez vous réconcilier, mais on vous dit arrête d'en parler maintenant, t'as accepté, on se remet. Maintenant, t'arrêtes de parler de ça parce que sinon, c'est bon, quoi. Ne vous remettez pas ensemble. Parce que si c'est pour se remettre ensemble et tout le temps parler de la même chose, voilà, il faut essayer d'oublier, d'occulter, mais pas tout le temps parler. On a la carte de la tour. Ça peut me parler aussi de personnes. Non, peut-être qu'on se sent seul ou on veut s'isoler un petit peu. On veut s'isoler, on a besoin peut-être de se retrouver seul. Alors c'est pas pour ça qu'il faut aller dans une tour d'un château détruit pour ne pas qu'on vous trouve, pour réfléchir. Non, non, vous vous mettez, vous fermez les yeux, vous réfléchissez et vous voilà, vous sortez un petit peu des énergies ambiantes pour pouvoir vous retrouver, si besoin est. Peut-être parce que vous avez difficile de vous taire, ou parce que on a vu quelque chose. Non, c'est positif. Non. Vous allez voir les choses sous un autre angle. Et ici, on a la carte de la santé, mais cette fleur, cette plante, qui est une plante, mais tellement positive et tellement riche dans tous les domaines, que c'est juste le bonheur. Donc on a vraiment ici dans des énergies d'amour, de nouveaux cycles, de réconciliation, de voir les choses sous un autre angle, de se taire. Pourquoi, je ne sais pas. Donc soit vous ne, toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Hein. Donc voilà, prenez peut-être la décision de ne pas dire à votre voisin que sa femme l'a trompé pendant qu'il était parti travailler ou pendant 2 ans ailleurs. Ça sert à rien. Qu'à vous foutre le bordel chez eux et qu'à vous, après, ils se remettent eux et puis ne vous parleront plus. Donc voilà, tout n'est pas bon à dire. Non, c'est bon, on est bien, on a de la force. On a de la chance, on est stable, on se réconcilie, on voit des choses, on voit plus loin, on regarde plus loin aussi. On va se décider d'aller plus loin, on va se décider d'avancer, d'évoluer. On a une personne vraiment ici, cette personne, moi, elle m'apaise. Cette carte, la carte de ce jeu-là, elle m'apaise vraiment. Donc je trouve que, vous voyez, elle est sur la carte de la rémission en plus. Donc ici, on est vraiment apaisé parce que on peut compter sur l'un sur l'autre, on peut compter sur quelqu'un, on sait qu'il y a quelqu'un, c'est comme l'ermite pour moi ici. Voilà, il y a toujours quelqu'un qui va vous écouter, qui va vous entendre et qui va pouvoir vous comprendre. La famille sur la maison, sur l'amour, la roue sur les cadeaux, carte de la santé sur l'imprévu, mais c'est positif de toute façon. Le silence sur un voyage, sur la carte du voyage. Le diable sur la sérénité. Il y a quelqu'un qui veut quand même troubler votre sérénité parce que jalousie, à mon avis. Ou alors une addiction qui pourrait arriver, mais
ou une addiction où on ne se soigne pas. Comme tout à l'heure, on a dit pour les énergies générales, on ne se soigne pas parce qu'on se sent trop bien et du coup, ça ne va pas le faire. Donc surveillez, prenez bien tout ce que vous devez prendre pour votre santé. L'abondance et la stabilité, réflexion et le savoir, c'est quand même comique. Remède, tour, ça peut me parler d'un hôpital, avec des médicaments, d'un endroit, un lieu où on se soigne, ou d'un endroit de santé. Et là, vous voyez, sur la carte de la vigilance, anciennement appelée carte de l'accident, j'ai changé le mot exprès parce que ça faisait peur à beaucoup de monde, mais c'est pas spécialement un accident, il faut être vigilant. Donc ici, on a le trèfle, donc voilà, ça ne sera pas grave de toute façon. Bah, écoutez, voilà les amis. Bon, bah, c'est bon, hein, les énergies de l'amour aussi. Ici, c'est pour tout le monde, donc vous pouvez vous reconnaître si vous êtes célibataire, si vous êtes en triangulaire. Triangulaire, c'est pour peut-être le diable ici. Mais pourtant, c'est positif, hein, c'est positif. Le retour de quelqu'un, le couple qui se stabilise, si vous êtes déjà en couple, tout va bien. Un nouveau cycle, voilà, tout est parfait, les amis, tout est parfait. N'est-il pas? C'est bien. Hein? Bon, allez, on va faire le oui ou le non. Je ne vais pas mélanger tout, sinon après, il faudra que je redémélange pour ranger. Donc, on laisse ça comme ça. Et on fait le oui ou le non avec l'Iris Lenormand. Donc, posez votre question qui demande un oui ou un non comme réponse. Et si c'est l'anneau qui sort, c'est oui. Si c'est la croix, ce sera non. L'étoile. Je crois qu'ici, je vois une communication interrompue, une communication interrompue ou des difficultés avec Internet, des difficultés de se connecter et de parler. Ou on a difficile de dire quelque chose à quelqu'un concernant une grossesse, concernant un changement. J'ai de l'argent. Bon, allez, j'arrête. J'arrête. Oui ou non? Allez, posons notre question. Je vais me poser une petite question aussi. Ah, attendez, j'en ai une à poser. J'espère que ce sera oui. Hein. Les souris et la cigogne, on y va pour 13 cartes. 1, 2, 3. C'est non. C'est non, les amis. Bon, on ne sait pas. Je ne sais pas. Je vous le dirai. Le 25. Si ça se fait ou si ça ne se fait pas. Mais si ça ne se fait pas le 25, ça se fera quand même. Donc, ce n'est pas vraiment important. Mais pour moi, c'est quand même mieux que ça se fasse le 25. À moins que ça se fasse plus tôt. Non, ce n'est pas possible. Bon, voilà. Ben, moi, c'est non. Je ne voulais pas le non. Je l'ai quand même eu. Hein. Donc, si vous non plus, vous ne vouliez pas le non, vous ne le prenez pas et vous vous dites. Ça, si vous voulez le nom, vous le prenez, vous le gardez et vous prenez ces énergies. Moi, je ne veux pas du nom. Je veux le oui. Donc, je dis, ce n'est pas pour moi le nom. Ce sera oui. Et le 25, cela se fera. Sauf que j'ai dit mon vœu et que quand on dit son vœu, ça ne se fait jamais. On ne doit jamais dire son vœu. Voilà. Nom d'une pipe.
Enfin, c'est pas grave, on verra. Voilà les amis, moi je vous fais des gros bisous, je vous souhaite tout le bonheur du monde et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Et n'oubliez pas, soyez positifs.